Madame, demoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live Réflexion. Aujourd'hui, nous sommes le 20 combien? Nous sommes le 23 mai 2024. Très heureux encore une fois de plus d'être devant vous. Après une longue petite absence, parce que ça faisait pratiquement une semaine qu'on n'avait pas produit, et cela est dû à autre chose que nous sommes en train de faire. Pendant ce temps, l'actualité, le net s'est enflammée avec beaucoup d'informations sur notre pays. Vous savez très bien que ici à Contact Pro Live, nous réfléchissons sur la République démocratique du Congo. En tout cas, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vous dis le bienvenu. Donc, moi, c'est Germain Kaindo. Nous émettons à partir de Johannesburg où nous donnons nos points de vue sur la gestion de notre pays. Nous donnons nos points de vue sur la marche de notre pays. Nous avons commencé cette tranche d'animation ou bien cette tranche de réflexion depuis 2019, lorsque Félix Tshisekedi accédait à la magistrature suprême après les 18 ans passés avec Joseph Kabila. Nous étions tous très très engouement, donc nous étions portés tous avec beaucoup d'espoir que Tshisekedi va faire le Congo autrement, donc il va apporter ces changements qu'on avait depuis longtemps. Donc nous avions suggéré, parce que nous avions constaté aussi que la vision de Félix Tshisekedi pour notre pays n'était pas cristallisée en lui-même, ou bien il n'avait pas une vision très claire. C'est ainsi que les 5 années qui ont été passées, c'était des années de tâtonnement. Pour aller un peu plus bref, nous avions évolué de cette façon-là en proposant surtout de la refondation du Congo. Depuis 2019, nous parlons à Félix qu'il fallait absolument faire un changement profond, c'est-à-dire la gestion de notre pays. Aujourd'hui, mes chers amis, nous sommes pratiquement à la veille du deuxième mandat. Donc, nous nous réveillons dans le deuxième mandat. Ça fait 6 mois déjà qu'il n'y a pas un gouvernement. Nous sommes en train de nous répéter, donc répéter les histoires que nous avions passées pendant 2019-2020. C'est pratiquement la même chose. Vous vous rappelez, en 2019, lorsque Tshisekedi se cherchait, il y avait des projets de 100 jours, et tout, disons les programmes de 100 jours pilotés par Caméré. Et toutes ces histoires-là, c'est pratiquement la même chose à cette venue du deuxième mandat que nous avons commencé. Ça fait approximativement 6 mois que nous sommes en train de naviguer à vie où on ne sait pas où nous allons. Maintenant, cette semaine a été un peu plus chaud, comme je vous disais. L'actualité a été très, très abondante avec un simulacre, je peux l'appeler comme ça, d'un coup d'État. Et puis nous avons finalement le bureau permanent du Parlement qui a été déjà désigné par le parlementaire élu. Donc nous avons aujourd'hui, le 23, nous avons un bureau permanent du Parlement, donc un bureau permanent de notre Parlement qui a été élu. Caméré est rentré donc après quelques années, et donc il devient le premier le président du Parlement, et ainsi de suite avec tout ce que nous allons trouver. Et puis il y a aussi cette actualité autre, celui du coup d'État que Christian Malanga a trouvé la mort parce qu'il a été criblé de balles. Donc une histoire qui fait couler beaucoup d'encre. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on l'a éliminé. Cette histoire-là des coups d'État et la désignation du bureau du Parlement, ce sera les deux grands sujets dans lesquels nous allons développer aujourd'hui. Donc, c'est lui qui va nous réunir aujourd'hui. Donc, mes chers amis, accrochez-vous parce que nous allons faire des analyses ici. Nous allons donner notre réflexion. Vous étiez nombreux à m'appeler. Germain, qu'est-ce que tu penses de ce coup d'État? Est-ce que c'est un coup d'État, tout ça? Germain, qu'est-ce que tu penses de ce bureau du Parlement? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y aura toutes ces questions-là? Nous allons donner notre réflexion. Tenez bon, donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous rappelle, abonnez-vous. Parce que ici, nous faisons des réflexions et nous donnons notre point de vue. Nous donnons une solution
selon nous, selon Contact Pro Life. Avant d'aller un peu plus loin, donc, nous allons prendre le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous allons revenir tout de suite pour le développement des deux grands sujets, les événements qui ont apporté, donc, qui ont fait disparaître, qui ont été criblés de balles, Christian Malanga. Et puis le Parlement a maintenant un bureau permanent. Qu'est-ce que nous attendons? Après ça, donc, nous allons développer, après la lecture de ces grands sujets d'actualité sur le net. Voici le grand titre à la une des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par élections-net.com. Kinshasa, la PNC recrute des jeunes filles et garçons de 18 ans à 35 ans. Et RDC, après le coup d'État étouffé, Peter Kazadi sera en Angola, Nord Kivu. Implication du gouverneur dans l'affaire opposant la maison Loiseau à d'autres services sollicités. On va sur actualité.cd, RDC procès au second degré de trois chefs miliciens condamnés pour crimes contre l'humanité à Shabunda, Walungu et Mwenga. Assemblée nationale, trois femmes sur les sept membres du bureau définitif installé. Et enfin, RDC de l'Est de la RDC, Vital Kamerhe insiste sur la piste, la prise en compte, s'il vous plaît, de la diplomatie parlementaire pour faire face à l'agression de pays voisins. Congo profond, Jacques Njoli et Senge Kelly, le meilleur score à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Focus sur Noah Sadiki, la nouvelle pépite belgo-congolaise convoquée pour la première fois chez les Léopards. Société civile, la CORAP interpelle le gouvernement sur la gestion nébuleuse du projet de Grand Inga. 7 sur 7. Martin Fayoulou, RDC, le parti Fayoulou, ne croit pas en la thèse d'un coup d'État raté et veut des enquêtes. Et puis, coup d'État raté, pour Mouzito, le coupable et les traîtres doivent être punis. Et puis, RDC, Christian Malanga n'a aucune relation particulière avec les évêques. Ça, c'est la SECO qui déclare. On va terminer par Radio Okapi. Bureau définitif de l'Assemblée nationale, le palais du peuple fait le plein de militants des partis au pouvoir. Lubumbashi, lancement de la 5e édition de la chirurgie pédiatrique gratuite. Mbujimayi, le maire de la ville, contre l'exploitation du diamant dans les parcelles résidentielles. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, donc... L'actualité, donc, elle est dominée par cet événement où encourager quelqu'un, une cinquantaine d'hommes sont partis prendre les institutions en tirant quelques coups de balle et puis tout ça. Moi, finalement, mon point de vue, c'est ça que vous attendez. Qu'est-ce que je dis? Parce que j'ai vu beaucoup de questions. Je n'ai jamais reçu autant de messages. Que c'est ce message que j'ai reçu ici. Tout le monde me parle. Est-ce que c'est un coup d'État? Est-ce que les coups d'État se font comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre point de vue? D'entrée de jeu, quand j'ai reçu le premier jour, là, donc le dimanche, le matin, je vois des tweets, je vois les images, je ne peux pas les diffuser ici. Les images qui commencent à dérouler, on voit quelqu'un qui amène un drapeau du Zaïre. Ça s'est déroulé très vite, je ne comprenais pas d'abord. Et puis j'ai pris un peu du temps, j'ai dit, mais ce garçon, je le connais, il a été ici à Johannesburg, c'est un combattant. Il est parti aux États-Unis, il a fait ceci quelque part. C'est une figure que nous connaissons. Je l'ai retrouvé quelque part au Mozambique. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça? Un coup d'État? Ou on veut éliminer quelqu'un? Pourquoi j'ai dit ça?
Parce que si c'était un coup d'État, selon moi, ça devrait bien bien se préparer. Surtout que aujourd'hui nous sommes jeudi le 23. Donc ça fait pratiquement 4 ou 5 jours. Et les vidéos du monsieur ont fait surface. Après beaucoup de questions le lundi, dimanche soir, le lundi, le mardi, le mercredi, hier, j'ai pris le temps d'analyser cet acte-là. Laisse-moi vous dire que, en aucun cas, j'ai trouvé que c'était un coup d'État. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai regardé les coups d'État qui se font en Afrique de l'Ouest. Et finalement, en analysant les vidéos qui nous sont proposées sur le net, j'ai commencé à me dire, est-ce que ce monsieur n'avait-il pas perdu la tête? S'il préparait un grand projet de coup d'État comme ça, allait-il le faire sans l'armée? Parce qu'il est venu avec les armes. Et quand il est venu avec les armes, je croyais que Mutuandenge Oyakoyana Mandoki, c'est-à-dire que il a toute une armée derrière lui. Des tenues militaires, des tenues de révolutionnaires. Moi, je me suis dit, ce type doit avoir l'armée derrière lui s'il veut faire quelque chose comme ça. D'abord, ce n'est pas un militaire de notre FARDC, il n'est pas militaire. Même s'il a subi des formations militaires selon les vidéos que nous voyons, mais ça devrait quand même avoir un certain impact si c'était un général de corps d'armée, c'est-à-dire que l'armée était dedans, impliquée. Un coup d'État d'un groupe armé n'a jamais réussi. Ça doit être une branche peut-être de l'armée, peut-être la garde présidentielle, ou soit les soldats de ligne, ou soit un groupe d'armée, ou bien un groupe de cette FARDC qui a peut-être 50 000 ou 30 000 ou bien 20 000, ou bien 10 000 hommes par exemple, qui vont maîtriser la situation. Ça, c'était mon premier raisonnement. Je me suis posé la question. Est-ce que parce que dans d'autres pays, nous voyons que peut-être que c'est un militaire, mais vous allez voir tout autour de lui d'autres militaires qui sont connus dans l'armée et qui peuvent donner des commandements en disant « Voici l'armée a pris le pouvoir parce que ABCD. » Et là, ça se justifie que ça peut être un coup d'État. Parce qu'à ce moment, l'armée dit « Nous maîtrisons le pays, nous maîtrisons la branche armée, les hommes qui tiennent les armes, nous les maîtrisons. Et donc, nous venons faire sauter un civil qui est à la tête du pays, qui fait qui n'arrive pas à bien conduire le pays. Donc, nous prenons les rênes du pouvoir. » Et cela nous peut nous amener à réfléchir et à nous ramener dans le temps. C'est-à-dire ici, je prends l'exemple de Mobutu quand il arrivé au pouvoir. Il était militaire, il était chef, il était dans l'armée, ce n'était pas un civil directement qui viendrait comme ça. « Oh non, moi je suis Christian Malanga, tout ça, Tokangi Congo, tous ces balivernes-là qu'il racontait dans ses vidéos. » Je vis pratiquement de l'amateurisme. Je vis que quelqu'un qui n'était pas préparé. Parce que lorsque nous faisons ça, lorsqu'on fait un coup d'État comme ça, le pays doit être maîtrisé. Il a ces gens à Lubumbashi, il a ces gens à Bukavu, à Kisangani, ainsi dans toutes les grandes villes, l'aéroport maîtrisé, l'armée maîtrisée, et les messages vont commencer à passer sur la télévision nationale. Moi, je pense que c'est comme ça que nous avons vécu le coup d'État. Les messages à la radio officielle ou bien à la télévision nationale,
qui va dire que non, bon, voici, nous avons maîtrisé le pays, c'est nous qui est l'armée, c'est nous, nous voici, nous venons et tout, 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 tout. Nous avons vu la rébellion qui est partie de l'AFDL, par exemple, et ça, c'est notre temps, qui est partie de Moulengue jusqu'à Kinshasa. Et on a vu comment les villes tombaient. Ce sont les gens qui se sont préparés d'une autre façon. Ça, c'était une rébellion où on ne pouvait pas atteindre directement le président de la République. Il fallait démanteler cette force armée par la guerre. Ainsi, la rébellion a pris le dessus de l'armée nationale qui était le FAS. Ça, nous avions vu. Mais des groupes comme ça, de 5, 10 personnes, 15 personnes, venir dire que non, bon, nous allons prendre le palais de la nation, nous avions assiégé le palais de la nation pour dire que ça, c'est un coup d'État. Moi, je me dis que quand même, c'est de la blague. Nous sommes devenus comment? Nous sommes où là? Est-ce que ça peut être appelé un coup d'État? Parce que le président n'est même pas inquiété. Il a appris les nouvelles comme si... Donc, ça s'est passé comme ça. C'est ainsi que moi, je me pose la question. Est-ce que Christian Malanga avait-il vraiment cette idée-là de faire un coup d'État? Même si après que nous, on nous présente des vidéos, il est à Rome, il est aux États-Unis, il a visité ceci et tout, c'est ça, tout cela. Oui, ce sont des prémices. On peut dire que ce sont des prémices, mais ce n'est pas comme ça. Il fallait quand même être... Et mûrir encore beaucoup plus davantage cette idée-là, parce que si vous pouvez avoir déjà l'appui de Rome, l'appui des Britanniques, l'appui des Américains, l'appui de tous ces gens-là, que vous avez, que les vidéos nous montrent ici. Mais sur le terrain, vous devriez avoir un soutien où, avec les hommes qui sont sur terrain, que vous allez convaincre en disant « Oui, nous allons éliminer ou bien nous allons prendre le pouvoir par la force à partir de Kinshasa ». Ce n'est pas siéger le palais de la nation et crier comme ça, Ingeta, Ingeta, que nous avions gagné. Non, ce n'est pas ça. Et c'est comme ça que j'ai dit toujours qu'il y a des choses que nous, Congolais, nous sommes trop cosmétiques. C'est-à-dire que nous faisons des choses. Est-ce que vraiment quelqu'un qui réfléchit peut faire des choses comme ça? Et là, je commence à me dire que ce sont peut-être des mouvements mystico-militaires, que quelqu'un qui peut se penser qu'avec avec 500 ou bien avec 40, moins de 100 personnes, il peut faire un coup d'État au Congo. Il se trompe. Et donc, moi, je me dis, peut-être Christian Malanga était en train de se tromper. Moi, je pense qu'il était en train de se tromper. Et alors, c'est par là que vient la thèse de se dire que le pouvoir en place aujourd'hui, qui est en perte de vitesse, ça faisait 6 mois. Le gouvernement, depuis qu'on a... Ça fait 2 mois qu'on a nommé un premier ministre. Donc, les choses vont au ralenti. C'est comme si cette histoire ici se préparait en disant... Voici, nous allons faire un simulacre d'un coup d'État. Comment est-ce que vous qui saviez que vous êtes menacé, ça c'est maintenant de l'autre côté du pouvoir en place. Il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a pas d'inquiétude, on ne prend pas ça au sérieux. C'est ça que nous disons que peut-être que cette histoire a été préparée par les gens qui sont en place en disant « bon, on va faire un truc là ». Comment expliquer que le même jour, donc aujourd'hui, le dimanche, il y a un coup d'État manqué et puis nous allons à la fête au stade de Martyrs pour un concert dont nous avions vu tous les politiciens participer. Ça nous donne encore des questions, beaucoup de questions dans la tête. Où sommes-nous là? Toza wapi na mboka oyo. Sommes-nous où? Donc, lorsque les gens meurent, nous pouvons aller danser. C'est ainsi que moi j'ai réfléchi, je me suis dit, ces gens ici nous font montrer pourquoi ils ne sont pas inquiets de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo.
ce n'est pas leur problème. Même les gens qui sont tués à quelques kilomètres de Kinshasa, ce n'est pas leur problème. Les Mobondo peuvent tuer là-bas, ça ce n'est pas le problème. Nous pouvons chanter, nous pouvons proclamer la victoire. Et c'est par là que je me suis dit, nous ne sommes pas sérieux, ce pays n'est pas un pays. Nous avons toute autre chose que de se dire que nous sommes un pays. Nos dirigeants ne s'inquiètent pas de la sécurité de ce peuple. Ce n'est pas leur problème. Comment on peut être en guerre et puis on continue à multiplier les voyages à l'étranger? Comment nous pouvons être en guerre et nous continuer à ne pas mettre un gouvernement responsable qui peut tenir compte de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Donc, nous faisons les choses, ça ne nous regarde pas. Et c'est ça qui m'a étonné. Comment nous pouvons être dans cet état d'insécurité comme ça à Kinshasa, et puis nous nous permettons d'aller au concert, d'aller remplir un stade? Parce que nous avions tué l'instigateur de ce coup d'état, que nous pouvons maintenant nous dire que non, tout va bien. Et puis vous écoutez le ministre, il dit que non, nous avons maîtrisé ces gens-là, il n'y a plus de problème et tout ça. Pourquoi simplement cette histoire-là était venue à la veille de ce concert-là de Moïse Mbille? Voilà, donc il y a beaucoup plus de questions que nous pouvons nous poser qui n'ont pas de réponse. Et c'est ça qui va donner des doutes à ce que vraiment cet événement-là n'était pas un coup d'État. Ça, c'est ce que moi je pense. Parce que au sein même des gens qui sont censés être attaqués, il n'en faut pas un problème. Nous avons vu Kamere au stade, je crois. Après qu'on a dit qu'on a visé M. Kamere. Bon, maintenant, je ne sais pas, vous pouvez me corriger. Ces gens-là ont été tués où? Au palais de la nation? Ou auprès de Kamere? Selon ce qui raconte les événements ont commencé à la maison de Kamere. Est-ce que c'est Kamere qui est le président de la République pour dire que ceci c'est un coup d'État? Non. Parce qu'il y a beaucoup de versions maintenant commencent à sortir. On parle que on a visé à éliminer physiquement Kamere, et que lorsqu'on ne l'a pas obtenu, c'est comme ça que ces instigateurs-là sont venus maintenant au palais de la nation. Et ils ont été liquidés au niveau du palais de la nation. Et lorsqu'il y a eu des bandades, les autres ont cherché à fuir par le fleuve. C'est comme ça que vous avez vu cette image horrible où le militaire sont en train de fusiller les gens sans armes. Même en étant de guerre. Même Batou Oyo Basoda Nabiso Oyo affaire de Sobazako Bundana Bunagana. Ce qui va kangi bango mateka ba oui ko exécuter bango bongote. Et ces images-là sont distribuées comme ça. Ça, ce sont des crimes contre l'humanité. Ça, ce sont des crimes de guerre. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un qui n'a pas d'armes. Et surtout quand il n'est pas armé. Même s'il est en train de fuir, allez les prendre. Voilà les bavures encore qui fait des doutes que cette histoire ici était un coup d'État. Parce que, lorsque nous voyons, on n'a pas menacé le président de la République. On n'est pas parti là où réside le président de la République. Est-ce que ce n'est pas le président lui-même, Fatih, qui a envoyé ces gens ici à faire un peu de terreur et puis récupérer la situation pour dire que non, nous maîtrisons Kinshasa? Vous ne maîtrisez pas Kinshasa. Si vous maîtrisez Kinshasa, pourquoi est-ce que vous ne maîtrisez pas Kouamoutou? Kouamoutou ne vous intéresse pas, là où il y a des massacres tous les jours. L'Est ne vous intéresse pas pour que nous puissions aller maîtriser, aller récupérer Bounagana.
Et d'ailleurs, en passant, on m'apprend que le phare de C sont en train de faire des prouesses là-bas. J'ai dit, tant mieux. Tant mieux. Voilà un peu beaucoup de questions qui restent pendantes parce que nous n'avons pas de réponse. Mais ma position est que moi, je pense que Yangui sous roche, nous ne pouvons pas accepter que ces événements-là qui ont coûté la vie à quelques Congolais qui ont réclamé leurs droits et qui voulaient peut-être manifester quelque chose, selon eux, soit ces gens-là soient fusillés de cette façon-là. Moi, je pense que c'est un simulacre de coup d'État. Il n'y avait pas eu de coup d'État là-bas et que le gouvernement devrait nous dire exactement ce qui se passait. Qu'est-ce qui s'est passé? Mutwa Nazaki Kolukanin, pourquoi on l'a abattu? Pourquoi on l'a abattu? Le gouvernement nous doit des explications. Voilà, bande, qu'on a dossier, wana, je crois que moi, c'est ça ma position. Je pense qu'il n'y avait pas eu de coup d'État parce que la question m'a été posée. Voici le pourquoi je vous ai développé. Nandenge ona monike coup d'État est à la quitter. C'était qu'un simulacre de coup d'État. Il n'y en avait pas. Il n'y avait qu'autre chose. Parce que le président de la République n'était pas menacé. Nous n'avons pas vu. Nos institutions, même si c'était la nuit, ces institutions-là, le palais de la nation doit être protégé. Voilà. Maintenant, nous allons passer au deuxième sujet sur l'avènement où, maintenant que nous avons le membre du bureau permanent de notre Parlement, et je crois que maintenant, ça va se dénouer. Le Sénat aussi sera installé bientôt. Et que nous allons avoir le gouvernement en place. Et que les choses vont commencer à aller dans le sens où ce gouvernement qui va nous prendre les 4,5 années qui restent. Parce qu'il va rester 4,5 années. Nous sommes en 2024, donc... Déjà, nous sommes pratiquement au mois de mai. Aujourd'hui, nous sommes le 24, donc nous terminons ce mois de mai. Il va nous rester 4 ans et 6 mois pour que le mandat, le deuxième mandat, termine. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons déjà que dans la tête de ceux qui sont là,
les calculs sont faits afin qu'il puisse rester au pouvoir. Donc, Félix Tshisekedi va être encore confronté à une situation où va-t-il partir après son deuxième mandat ou se cramponner au pouvoir. C'est ainsi que, déjà avant que le Parlement ne puisse, le bureau du Parlement ne puisse être implémenté, il y avait déjà des rumeurs, les gens pensent à la réélection de Félix Tshisekedi à vie. Laissez-moi vous dire ça, à vie. Donc, Atikala Mukwantombolo, Atikala Wana, qu'est-ce qu'on fait? C'est ainsi qu'on a commencé à faire passer des rumeurs du changement de la Constitution. Avant, c'est cette plénière ici du Parlement, où on devrait choisir les membres du bureau permanent, il y a eu discussion, les gens pensaient au changement de la Constitution. Maintenant, c'est ainsi. Moi, je pense qu'il était question à choisir des hommes qui vont porter cette idée-là et que ce sont ces hommes-là qui seront placés au niveau du Parlement. Parce que c'est par là où se trouve la clé. Le changement de la Constitution, la clé se trouve au Parlement. Il faut faire passer une loi, il faut discuter cette histoire-là. Le président lui-même en avait déjà lancé le ton en disant il va choisir, ce n'est pas un comité pour discuter sur le changement d'une nouvelle constitution. Quelle sera l'implication du changement de cette nouvelle constitution? Le changement de cette nouvelle constitution, ça veut dire que si on touche aux articles verrouillés, c'est-à-dire que nous allons recommencer le Congo à zéro. Et à ce moment-là, nous pouvons encore, Félix Tshisekedi peut encore avoir cette latitude de postuler encore pour un premier mandat dans cette nouvelle constitution. Et c'est ça l'idée qui était derrière cette histoire-là. Donc, Batou, Bazoka Nisate, Mboka Ezaya Bangote, Mboka Oyo, Ebongate, ce n'est pas leur problème. Moukou Fenjala, Moukou Ebie, Baba Oué, insécurité ou quoi que ce soit, haïko problème à Viongozi Vietu. Ce n'est pas leur problème. Kazi Aibangali, Kazi ce n'est pas eux. Eza Bangote Moutoubakoyaka Kobongi, c'est la biso Congo. Et leurs intérêts, c'est d'être là, en train de manger ce qu'il y a. Mais reconstruire le pays, ce n'est pas le problème. Pourquoi? Parce que Bayebi Ndenge Akosalate, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. C'est ça le grand problème. Pour reconstruire le Congo, ils n'ont pas ça dans leur tête. Ils ne savent pas. Ce n'est pas ça leur souci. Souci na bangweza akobongisa mboka oyote. Souci na bangweza laka bangobaza la bakonzi, binoboza la ndenge bozali wana. Le statico. Congolais, il faut vous réveiller. Quelqu'un aujourd'hui va se dire que non, moi je voudrais prolonger, ou bien je voudrais voir le troisième mandat, ou bien je voudrais avoir un mandat de 10 ans. Pourquoi? Si les choses que vous faites au pays ne cadrent pas pour la reconstruction de ce pays. Vous êtes là pour vous-même, le pouvoir pour le pouvoir. Et ainsi, ils savent que non. S'ils partaient et que Batuyamala Moubaye Kokota na place Oyo et Kosala Ndengenis, qu'est-ce qui arrivera? Qu'est-ce qui leur arrivera lorsque le pays sera remis sur le rail du développement? Parce qu'il y a des dossiers que les gens qui viendront devraient revenir sur ces dossiers-là. Bamakambo va assassiner Baba Wazalendo na Goma. Toutes ces histoires-là ne resteront jamais impunies. Donc, tout ce que nous avions fait, les dirigeants d'aujourd'hui devront répondre. Pourquoi sommes-nous arrivés là-bas? Toko miya wandenge nini bandeko. Eza mawatro. Le pays va très mal. Comment relever les défis? Comment reconstruire ce pays pour que tout le monde en bénéficie?
C'est ça le combat que nous avons. Nous avons un combat noble, un combat pas pour nous maintenir au pouvoir, mais un combat pour reconstruire le pays. Le pays va mal, le pays est en moule. Pas si le kinamboka ou bande konangai. Mais maintenant, le gouvernement, les hommes qui sont là, parce que moi je pense que nous sommes dans un système où les institutions n'ont pas de problème, ils n'ont pas de travail, ce sont les hommes qui doivent faire le travail selon ce qui se passe aujourd'hui et même dans la tête des Congolais. Ce sont ces hommes-là qui doivent faire le travail, c'est Félix qui doit faire le travail. Or, Félix ne peut pas commencer à prendre une bêche ou bien ou à aller planter ou quoi que ce soit, non. Il doit avoir l'intelligence de faire travailler le Congolais. Mais il n'en a pas. Les institutions ne lui servent qu'à se maintenir au pouvoir. C'est comme ça que vous allez voir que nos parlementaires, tous ceux qui sont tout aux alentours là-bas, lorsqu'on va leur donner des jeeps, c'est tout. Lorsqu'on va leur distribuer l'argent, c'est tout. Ils vont être oui. C'est comme ça que cette tricherie a commencé. Parce que nous, qu'est-ce que nous voulons, nous les Congolais? Quel est notre idéal aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voulons pour notre Congo? Comment est-ce que nous pouvons faire refonctionner le pays? C'est ça la question que nous devons nous poser. Mais les lois anini bandeko, tozo e bate place nini tozo kende. On sait absolument là où nous sommes en train de partir. Félix Tshisekedi, je ne sais pas quand est-ce qu'il sait ce qu'il va faire. Au courant de cette année ici. Moi, je pense qu'il ne connaît pas. C'est pour cela qu'il voyage trop. Parce que ce qui a eu lieu, que ce même Zakuna, il faut qu'il ne kaka. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire là. Il ne sait pas. Ayebite, excusez-moi le terme. Il ne connaît pas. Il ne sait pas. Et ce n'est pas moi qui le dis. Tout le monde le dit. Batunyo Sotou Bazakomona, même ceux qui sont dans l'opposition le disent. Quel est l'objectif de Félix Tshisekedi à la fin de cette année-ci, à court terme? Comment est-ce que les institutions vont fonctionner pendant le deuxième semestre de cette année? Pendant les six mois ici qui vont... Quels sont les résultats? Comment est-ce que nous allons contrôler cet état-là? Notre pays est à refaire. Notre pays est à recommencer à zéro. Et à recommencer à zéro, c'est-à-dire que moi, j'ai dit depuis 2019 qu'il fallait faire quelque chose qui va réunir les Congolais. On est aussi à les Congolais nous ensemble en disant « Bande kombo kanabiso eza ezo kende mabe. To sala nini poto bongisa yango. » Voilà la chose que moi, je pense que depuis 2019, nous sommes en train d'essayer un peu de dire au président de la République que ce n'est pas simplement être au pouvoir pour le pouvoir, mais être au pouvoir pour réaliser certains objectifs allant dans la reconstruction de notre pays, allant dans à mettre de l'ordre dans toutes les institutions qui fonctionnent, qui existent dans notre pays. Mais si vous êtes au pouvoir pour que vous puissiez manger, pour que vous puissiez grossir, pour que on puisse savoir que c'est vous le président, ça ne sert à rien. Et c'est là où nous nous disons que, est-ce que ce Parlement ici d'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a pris du temps à ce que nous puissions avoir un bureau? C'est parce que justement, on voulait avoir des hommes sûrs qui vont porter cette idéologie d'aller changer cette constitution. Moi je le parle comme ça, ça c'est mon point de vue. Au vu aussi de ce qui se passe, je pense que les gens qui sont là, les gens qui sont portés au Parlement, ils vont diriger les débats au Parlement dans le but d'aller faire changer cette constitution-là afin de protéger le président de la République qui est là aujourd'hui. À moins que nous ayons d'autres révolutionnaires qui sont à côté, comme disait Nanga, il disait, non, il y a les M23 qui sont à Kinshasa, qui sont entrés là de nous attendre. Ils ne peuvent pas se prononcer parce qu'ils risquent leur vie. Voilà un peu ce que moi je pense aussi de cette chambre-là qui a été élue.
nous avions vu, ils se sont donné des coups, il y a des gens qui ne s'aiment pas. On a vu que dans cette union sacrée, c'était de la division. Pourquoi? Il y a des vieux, c'est un groupe de crabes. On ne sait pas exactement les agendas cachés des uns et des autres. Sont-ils des M23? Ou bien vont-ils aller pour le changement de cette constitution? Même si on changeait la constitution, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons gagner? On ne se focalise pas sur le bon fonctionnement des institutions, non. On se focalise sur les hommes qui porteront cette idée-là de changer la constitution. Kamere, c'est quelqu'un, c'est l'ami proche à Félix. Peut-être Félix, mais il n'est pas l'ami de l'UDPS. Kamere, c'est quelqu'un qui, avec l'UDPS, les membres de l'UDPS, excusez-moi le terme, les gens du Kassai, ils n'aiment pas Kamere. Nous allons le dire, ça crue. Vous aviez vu quand le président de la République est parti visiter Kamere, les gens de l'UDPS chantaient. Oh, talanda kwa moibi angoy. Kamere n'est pas le bienvenu à l'UDPS. Ok, maintenant nous entrons dans une autre étape où ce sont les bras de fer qui vont se faire sentir ici. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Kamere sera combattu au Parlement. Ça, nous le savons. Il sera combattu. Quelqu'un avec qui on a attenté à sa vie, mais il est venu quand même au Parlement. On n'a pas vu qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète ou quoi que ce soit, non. Alors, mes chers amis, nous ici à Contact Pro Live, notre réflexion, c'est que le Congo, bien sûr, nous devons aller à refondre ce pays pour que nous puissions espérer que dans les 10 ans qui vont suivre, les résultats de notre travail d'aujourd'hui vont se matérialiser et que nous pourrons voir ça. C'est quoi? C'est que nous devons absolument travailler du fait de savoir que ce pays n'appartient pas à un homme ou à un tribu ou à un groupe d'individus. Ce pays appartient à tout le monde. C'est pour cela que ici nous parlons de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Essayons quand même de restructurer notre pays pour créer de nouvelles institutions. Enfin, pour redynamiser les institutions qui existent. Parce que les institutions sont là, mais elles fonctionnent d'une mauvaise façon. La gestion de notre pays par ces institutions-là n'est pas catholique, n'est pas conforme. Ça ne nous a jamais fait avancer, ni quoi que ce soit. Donc, ici à Contact Pro Live, nous expliquons comment est-ce que nous pouvons arriver à rétrocéder le pouvoir au niveau que la base puisse se prendre en charge. Et c'est là que nous continuons à expliquer. Comme nous sommes rentrés, j'ai été un peu long aujourd'hui. Nous sommes rentrés. Je pense que dans les 2 jours qui vont venir, nous allons parler encore comment est-ce que nous pouvons rétrocéder le pouvoir au niveau de la base. Laissons d'abord toute cette vague d'actualité qui perturbe les gens pour réfléchir, passer. Et lorsqu'elles passeront, nous qui réfléchissons sur un nouveau Congo, nous reviendrons pour vous expliquer, pour expliquer aux gens qui veulent vraiment le changement au Congo, ce que nous pensons de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Si vous vous êtes abonné, cliquez sur la note de notification pour que vous soyez notifié lorsque nous mettons encore en ligne de nouvelles vidéos. Laissez-nous des messages, continuez à nous appeler comme vous l'avez fait pendant les 2, 3, 4 jours. Cela me donne vraiment de la force à continuer à travailler. Pourquoi? Parce que je sais que maintenant, ce que j'ai dit, c'est que mes vidéos comportent un message d'espoir, un message, une réflexion qui peut sauver notre pays et qui intéresse vous les Congolais, surtout vous mes abonnés. Si vous êtes là pour la première fois, vraiment abonnez-vous. Abonnez-vous, continuez à vous abonner s'il vous plaît. Parce que ce sont vos abonnements qui feront une grande visibilité à nos vidéos. Et la visibilité, pas simplement pour être visible, mais la visibilité de cette idée ici, de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Peut-être qu'elles vont tomber dans les oreilles de quelqu'un.
qui est au pouvoir qui pourra dire que non, non, pour changer, il faudrait faire ce que Germain dit dans ses émissions. Merci beaucoup. Donc, on va s'arrêter par là aujourd'hui, espérant que vous aviez aimé. Si vous aviez aimé, laissez un petit like. Si vous n'avez pas aimé, laissez un commentaire. Dites pourquoi vous n'avez pas aimé. On se revoit donc prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.